Ouais, super. Mets-toi plus face à moi, le visage. Pour la première fois, Rosamélie prend la pose, seins nus. Ce qui a décidé cette jeune femme, Vénus, un projet artistique destiné à sensibiliser les femmes autour du cancer du sein. C'est une manière un peu décalée et fun de parler d'un sujet qui peut être un peu tabou, un peu plus grave. Et moi, je suis jeune, je n'ai pas connu ce souci encore du cancer du sein, mais ça peut me toucher moi, ça peut me toucher ma maman, ma famille, et du coup, je trouve que c'est important. Pour une autre participante, la pose est plus pudique. Atteinte du cancer du sein il y a 3 ans, Sandrine est aujourd'hui en rémission. Cette séance, c'est une manière pour elle de tourner la page. Quand on a eu un problème, on a du mal avec son corps, donc aussi en même temps on se réapproprie son corps quand on fait une photo comme ça. Et puis ça nous booste, c'est un petit défi personnel aussi en même temps. Donc voilà, je me suis dit allez, il faut le faire. Tu aideras une association et puis toi ça te boostera. Donc voilà. Ces photos seront ensuite mises sur toile, puis customisées en atelier de création. Elles seront exposées en octobre à Lyon et vendues aux enchères en décembre. Près d'un an de travail pour encourager le dépistage le plus tôt possible. Les femmes qui n'osent pas se faire dépister parce que justement pour beaucoup la crainte de se dévoiler, là se rendent compte certaines ont fait encore pire, c'est-à-dire oser se dévoiler et que les photos soient exposées, retravaillées, qu'il y a un gros projet qui se mette en place autour de ça. Et en fait, et aussi toutes ces modèles qui participent au projet sont tout autant de relais d'informations sur la prévention du cancer du sein et l'information sur le dépistage. Attention, je te les bénéfices de la vente de ces photos vont à l'association Europa Donna et finance des soins socio-esthétiques pour les malades. Et même les hommes sont concernés, 1% d'entre eux sont touchés par le cancer du sein. Ouais.